et c'est relancé pour la rediffusion. Nous sommes toujours sur Stone Earth, on vient de voir qu'il y avait quelques nouveautés quand même, que c'est bien cool. On lance pour 40 minutes donc sur le jeu, donc je rappelle Stone Earth, un jeu qui m'a été offert par Ion. On a commencé un nouveau village, puisque forcément les sauvegardes sont rarement compatibles les unes envers les autres. Même c'est trop longtemps que j'avais commencé la partie. Et du coup on vient de recevoir un message d'une dame nous disant qu'on pouvait commencer à créer des statues et que selon les statues qu'on allait créer, on allait pouvoir obtenir des avantages. Le Mephisto est fourbe. Ta cible préférée. Qui va se venger à Team Party. Ah, on essaiera de te protéger Lucas. Mais vu qu'on est nul. C'est bon. Et oui. Si t'avais pas un Mac Aspi, on pourrait se venger. Faudrait vraiment que je stocke aussi d'autres trucs dans les caisses. Parce que cette zone est pleine à craquer. Des constructions aussi. Je t'ai enlevé le reste. C'est encore en train de se construire ici. Il y aura combien de lits là-dedans d'ailleurs? Je sais même pas s'il va y en avoir un en fait. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler d'un quelconque lit. Là-bas ça creuse, ce qui veut dire qu'on va avoir de la pierre. Il faut vraiment une enclume, mais l'enclume, comment je pourrais l'avoir? Faudrait que j'achète du métal quelque part, peut-être. Haters. Normalement, les fenêtres, on a ce qu'il faut, normalement. Moi, je devrais le subir. La subir. Il regarde pas le chat. Bah, Caspi, il y avait longtemps. Et surtout je peux pas l'appeler Aspi puisque ça projette de l'air, ça n'en inspire pas en fait. Enfin, quoi que de l'autre côté ça doit bien inspirer d'un côté pour que ça rejette de l'air de l'autre, mais bon. Ah, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire la cuisine. Puisque tous les outils sont là. Alors, voyons voir ce qu'on va pouvoir faire. Déjà on va déplacer notre caisse si possible. À côté. Comme ça c'est pas si mal. Voilà. Et du coup il va falloir qu'on demande au chef de cuisiner. Qu'est-ce que c'est qui nous approche? Ah, enfin un zombie masculin. Donc si, ils ont quand même bien amélioré le système de combat hein. Bon mesdames, c'est à vous. C'est peut-être pas un honneur, mais c'est à vous quand même. Bonne nuit la Trider. Naki, on court demain. Eh, hey, quelle idée aussi. Des bisous aussi, effet de beau rêve. Merci d'être resté si longtemps. Et puis ça fait plaisir de te revoir. Enfin, te revoir. Façon de parler, c'est un peu... Revoir. Si, bah si, on voit ton pseudo. Donc, plaisir de te revoir. Il fait plus chauffage qu'aspirateur. Tant mieux, on sera bientôt en hiver. Alors, est-ce qu'on y a gagné quelque chose? Ce serait bien qu'on nous donne un morceau de métal pour qu'on puisse... Oula, le jeu est planté. Et on y gagne encore des choses pas forcément intéressantes, c'est pas grave. Ce serait bien que ce soit redéployer les objets dont on a besoin ici. Ça a été rangé. Ils finiront bien par les construire. Fais m'amuser avec la forge. Ouais, mais ce serait cool que tu puisses construire des trucs, quoi. Mais tant qu'il n'y a rien là. Je sais pas si tu peux faire ça pour l'instant. Si tu peux le faire, ce serait cool, mais bon. Voilà,
et on verra après pour le reste, de toute façon on peut rien construire de plus pour le moment. Ah mais le Nico peut travailler. Mais c'est bon ça, c'est une bonne nouvelle. Ça y est, tu peux bosser Nico, bravo, bienvenue. J'ai soif. Hop là. Un petit peu d'eau ne peut faire de mal à personne, normalement. À part si on s'étouffe avec. Plutôt on s'étrangle. On se noie. T'as pas de métal? Mais tu me plais pas toi, t'as pas de métal? Comment oses-tu venir ici en disant que t'as pas de métal? C'est pas bien ça. Voilà. Ah alors. Yes! Alors, qui sera là cette fois-ci? Attention, attention. Silène. Silène. Bon. Il va falloir trouver un nom pour Silène. Comment peut-on l'appeler alors, selon vous? La coulée douce. Bah oui, mais là tu peux, donc bon, ce serait triste de s'arrêter là, non? Il va falloir qu'on donne un nom à Silène. New people. Welcome here. Et ce qui serait bien, encore plus bien, c'est que... ça monte de niveau. Enfin, quand je dis ça. Et la Nord, on l'a déjà. Bonne nuit, Celle. Prends soin de toi. Fais de beaux rêves. Et puis, bisous. À la prochaine. Oh, très vite, quoi. On est censé se revoir vite, quand même. Bisous et câlin, comme tu dis. Ooh. Level 1. Bronze Age. The secrets of bronze are now available to the blacksmith. Nico qui monte déjà de niveau, là, se casse pas la tête, lui. Direct, pouf. Du coup, on va pouvoir commencer à prévoir ce genre de choses. Et on peut créer de nouvelles armes. Mais non. Ça, je veux pas. Ce que je veux avec ça... Voilà, c'est qu'il y ait deux armes à chaque fois. Décloration, décoration. Bah tiens, on pourrait... Ah non, on peut pas en faire un tout de suite, ce truc-là. Ça va devoir attendre. Oh, on peut créer le... Ça. Ah mais il a dû la créer déjà, je suis bête. Donc il faut aller la placer. Encore une fois, le plus embêtant dans ce genre de jeu, c'est de réussir à... Menhir et BG... Bah, Menhir... Mirage. Mirage, ça pourrait être sympa, ça aussi. Fenir aussi. Il m'a déjà là, ouais. Calme. Non mais c'est une femme. Pas... Bah c'est sûr. Place item. Elle est où là? Elle est là. Voilà, très bien comme ça. Ça me plaît. On va attendre qu'ils aient fini de construire la maison, comme ça là. Yeah baby, et ça y est Nico a tout ce qu'il lui faut pour bosser. Elle est pas belle la vie. Il faudrait juste qu'il se fasse ensuite un... qu'on lui fasse un petit truc pour mettre au-dessus de la maison pour dire ah ah ça c'est ta maison. Et dès que cette maison là sera terminée, s'il nous reste assez de matériaux, on essaiera de construire des... Tiens, ça a repoussé ici aussi. La bouffe ça peut être bien. On essaiera de reconstruire des... un endroit où ils pourront manger tranquille. Genre une petite baraque là par là. Ou dans ce sens là. Je réfléchis. Mais du coup est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux plans pour les maisons ou pas? Ça a l'air.
is the question. Bon, on va l'appeler Mirage. Hein? Parce qu'on a quand même encore du monde. Hein. Mirage. Voilà, parfait. D'ailleurs, je demande si notre trailer n'est pas une demoiselle aussi. Je sais plus. Plus difficile, c'est de me rappeler vis-à-vis des pseudos et tout. On oublie la base de la base. Noodle. Ils ont tous faim, oui, ils ont tous faim. Et le truc, c'est qu'ils sont obligés de manger assis sur des bancs. Il faut qu'on leur fasse une cantine, c'est pas possible. Une belle grosse cantine. Dès que ce bâtiment-là est terminé, on leur fait une cantine, les gens. Parce que là, c'est pas possible. On peut pas les laisser dans cet état-là, là, tout seul, comme ça. À manger assis sur un banc. C'est mignon, manger assis sur un banc, mais c'est pas suffisant, il faut faire mieux. Bon, je vois qu'Isa a quasiment récupéré toute sa vie. Celt, c'est pas encore ça, hein. Ouais, t'as encore gagné? Bravo. Donc si j'ai gagné qu'une seule partie, c'était de justesse. Et j'ai pas relancé d'autres parce que je me suis dit, bon bah c'est bien gentil, mais ça me va, j'ai pas le temps de jouer. Mais par contre, j'ai le temps de manger un shrimp. Je veux dire, personnellement, je m'en voudrais si jamais je passe du temps sur le jeu de Gwent alors que j'ai vu à quoi ça ressemblait, que ça me va très bien comme ça. Et que derrière j'ai encore une sortie à filmer. Du coup ça nous fait combien? Ça nous fait 3 travailleurs là. Ce qui n'est pas si mal parce que du coup on va pouvoir construire plus vite. Et si on construit plus vite, bâtiment plus important. On a quoi comme nouveauté? Bon, il faudra s'occuper de ça quoi qu'il arrive. Ah, je crois qu'ils sont en train d'enlever les échafaudages. Et il y a bien un lit à l'intérieur. Un lit avec une échelle par-dessus, c'est original. C'est quand même plus joli comme ça. On a toujours le temps pour... Je trouve pas le problème quand on dit qu'on a toujours le temps. C'est qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et ça, c'est plus embêtant. En même temps, il vaut mieux qu'il n'y en ait plus un moment parce que. Sinon, soit j'en bouffe trop. Soit il n'y a plus de sous. Donc, petit à petit, quand même, ça prend forme. Il y a eu un démarrage un peu lent. Mais pour l'instant, on n'a aucun mort. Et ça, c'est beau. Qu'on se le dise. Bientôt, le Nico pourra créer des nouvelles armes, mais pas encore. Ouais Nico, va falloir monter niveau 2 là, hein. C'est quoi ce boulot? L'impo qui vient déposer les éléments, c'est mignon aussi ça. Au 7ème ciel, joli ce saut. Et hop, 2 éclairages, ça aurait été cool qu'ils en aient mis un là aussi. Ça manque un peu parce qu'on a du coup on a l'impression que pour bosser c'est pas pratique, ils peuvent pas. Ah, petite
affiche pour dire que voilà, c'est un charpentier. Enfin, un charpentier. Un ébéniste. Avec ton marteau. Bah, pour l'instant, tu travailles pas tant que ça avec le marteau. Hein? Quoique si, en fait, je te vois taper d'un seul coup. Je dis des bêtises. Vu que tu travailles pas sur l'enclume, mon quasiment. Bah non, je travaille pas en fait pour l'instant sur l'enclume. Oui, Nico est niveau 2. C'est magique. Et là, t'as dit qu'on peut lui faire quoi maintenant? Oh, on peut lui faire faire le Irony Goats. Voilà. On peut faire une nouvelle arme. Comme ça. Et ça y est, il m'a là sa petite maison. J'espère vraiment qu'ils ont pensé en ah si, il y a une lumière. Qu'ils ont pensé à développer d'autres types de bâtiments comme ça. Iron Woman. Du coup, actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 lits seulement pour 11 personnes. C'est pas jojo ça. Hein. J'aime bien les voir installer autour du feu comme ça. Bon, par contre, voilà, c'est Limpo, il a un peu le dos dans le feu quand même. Les cheveux, le chapeau, c'est un peu violent là le pauvre. Alors ici, qu'est-ce que pouvons-nous faire? Pas grand chose à première vue. Hein. Là, il nous faudrait une poule. Là on a ce qu'il faut, donc on va se faire du testy vegetable et on va essayer d'en maintenir 15, ça serait pas si mal 15. Attendre que ça monte de niveau. Vivons les étoiles du matin. De quoi? J'ai du mal à suivre là. Si ils ont terminé de miner là. Donc on va pouvoir leur demander de faire une autre salle. À peine y ont-ils fini qu'on leur en demande déjà plus quoi. C'est terrible. Peuvent pas être tranquilles, mais ils ont terminé la maison, là ça y est, maison finie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant? Ça c'est quoi qu'il faut? Niveau 6. Et il faudrait de la laine, donc il va nous falloir créer quelqu'un qui s'occupera de la laine, justement. Bonne nuit Aria, fais de beaux rêves, merci d'être resté si longtemps, prends soin de toi, et puis à la prochaine. Comme je vous dis, moi je vais pas tarder non plus, je finis aussi hein, celle-ci. Il reste environ 20 minutes de vidéo, et puis on ira se coucher, je pense que bon, ça fait plusieurs soirs que... Quand Raph est là, je me couche vers les 2h du matin en général, parce que c'est l'heure à laquelle Raph se couche, donc du coup, voilà. Donc j'essaie d'optimiser le temps pour essayer de filmer un maximum. Là on a eu le temps de faire que d'une seule vidéo, à cause de Pôle emploi. Donc on pourra encore une fois remercier Pôle emploi pour leur système bien désagréable. Et j'aurais préféré qu'on puisse tourner au moins une vidéo de plus en fait, mais ça a été un peu trop bordélique malheureusement. J'arrive pas à m'imaginer à quoi ça peut ressembler un câlin parsemé de bisous. Je sais pas, j'imagine une espèce de truc qui représenterait le câlin avec, tu sais, le petit zeste, les petites paillettes qu'il y a quelquefois sur les donuts, ce genre de choses. Alors toi, je mange trompe, y'a rien qui m'intéresse. Est-ce que je peux te vendre des trucs par contre? Celle. On va les vendre. Deux boucliers. Ça je garde, les caisses je garde, la bouffe je vais essayer de garder aussi. Qu'est-ce qu'il y a que je rentre au sang, on va les vendre. Ça va faire de la place dans le décor quoi qu'il arrive. Le marteau, les deux épées, pareil.
Voilà, ça nous fera un petit peu d'argent. On peut aussi vendre 10 chaises. C'est pas si mal comme ça. Et 10 murs, allez hop. Ah, on n'a pas assez de bouffe. Bon, c'est pas grave, demain. Farmer niveau 3, joli, 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 joli. Voilà, comme ça, on va laisser la miss refaire des... bois. Et vivement qu'on en ait un des deux qui atteigne le niveau 5, comme ça, on pourra planter des bois. Enfin, des bois. Des arbres, quoi. Avec Donuts. Mais tu sais, les donuts, quand on les voit, quelquefois, ils ont des espèces de petits bâtonnets colorés dessus, là. Et moi, je vois bien ça comme ça, c'est-à-dire une sorte de câlin parsemé de bisous, ça ressemblerait à ça, avec une sorte de donuts, avec des petits bisous parsemés dessus, je sais pas. C'est l'idée que je me fais de la chose, en fait. Y'a que toi pour savoir ce que c'est, d'accord. Là, tu vois pas le rapport. Non, mais c'est parce que dans ma tête, on voit pas souvent ce type de petites paillettes machin chose à bouffer en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est pour ça que ça me fait que je parle de donuts. C'est le seul endroit où je me souviens d'avoir vu. Ah, niveau 1 pour Lucas, du coup. Et ça, c'est encore la mission. La chat drogue. Mais non, sur les donuts, il y a des petits machins là. On est d'accord, non? Vous avez jamais vu ça? Bon bah tant pis. Et il faudrait que j'arrive à construire quand même. Du coup, le dining hall. Et il me manque des chairs. Enfin des chairs. Il me manque des... chaises. Je vais y arriver. Je taille plus de pierres. Apparemment, on est en train de se faire attaquer. Et elles sont déjà sur le pied de guerre. Coucou Mélanie, comment vas-tu? Ce serait trop bizarre. Attends, fais voir. Est-ce que c'est ça ou pas? Ce dont je parlais. Ah, ça met deux plombes à charger par contre, toi, l'image. Je vais attendre, je reviendrai sur le jeu juste après. Ah, ils ont laissé de la... La truc bizarre, là, voilà. Tu. Isa et Celt montent chacune niveau 3. Power Spike dispo. Hein? Et pourquoi d'un seul coup il s'est mis tout à effacer? C'est triste. J'ai pas eu le temps de lire correctement. Bon là du coup ils vont manger. Et moi qu'est-ce que je cherchais? Je voulais voir un truc mais j'ai oublié quoi. Et je ne sais pas et je reste planté là. Save. The Sapley. Ça c'est plus du tout à vrai dire. Bon, il manque encore deux chaises. On va attendre encore un peu. Ça roule. Ça roule, ça marche. Chacun son point de vue. Ah, il y a des trucs à ramasser là. Eh oh. Qui c'est qui laisse des trucs traîner? Hein? Jepi, c'est quoi ce boulot? Ouh, Blacksmith. Artistic inspiration, when inspiration. Strike the blacksmith, may embellish his work in an unexpected way. Alors, que peux-tu nous créer de plus, petit Nico? Ici, c'est quoi, ici? Knightchen, Engineer Wrench. Wrench. Qui sait pas parler, quoi. Voilà, toujours on craft T2.
Là, il va me manquer des choses. On va essayer de toujours se débrouiller pour qu'il y en ait d'autres craftés. Quoi que cela puisse être. Il va falloir s'empresser dès qu'on aura quelqu'un de nouveau de construire un petit bouclier. Voilà. Pour l'instant, il y a ça que je puisse construire. Décoration. Ça. Mettez-moi moi 2. Et pareil pour les boucliers, mais à mon avis, les boucliers, il n'y en a que. Il n'y a que les. Il n'y a que les. Comment on appelle ça? Les chevaliers qui pourront le porter. Pour mon raton. Une clé à molette de mécanicien. Mais je crois que pour devenir ingénieur, il faut, quoi qu'il arrive. On va vérifier ça quand même rapidement. Voilà, l'ingénieur en fait est l'évolution du forgeron. Donc il faudra d'abord que le forgeron atteigne un certain niveau à mon avis pour pouvoir créer un ingénieur. Donc il faudra que je forme un deuxième forgeron, un de ces quatre. J'aimerais bien avoir un... On est où là pour ça? Les 15 sont déjà faits là? Non. Je vais pas faire d'omelette pour le moment. Ah mais non, mais ça c'est animal feed donc je mange schtroumpf. Ça quand ils auront décidé de manger. Je pense que les chaussures... Les chaussures... Mais qu'est-ce que je raconte? Les chaises, c'est terminé. Ça commence pareil et du coup, ça y est, je m'y perds. Dining hall. Ok, on est bon. Donc on va placer ça juste à côté des réserves de nourriture. Ça me semble pas dégueulasse ici. Voilà. Comme ça, ils commenceront à construire la maison où ils pourront tous aller manger après. Il y aura la nourriture qui sera stockée ici. Ils pourront tout récupérer pour venir pour, stocker les choses là. Pour la suite. Ça me plaît. Il nous faudra d'autres arbres. Donc si vous pouviez ramasser tout cela, ce serait cool. Vivement qu'on puisse en planter d'autres. Même si c'est numéro 1, j'en ai fait là depuis tout à l'heure. Hein. Les chaussures aussi c'est très important. Et on, normalement je crois qu'on peut créer des bottes dans le jeu. Mais je suis pas sûr. C'est que les femmes qui travaillent dans ce salon. Il y a Mirage là, Eleanor et Soso. Voilà. Au boulot. Pas compliqué qui travaille, qui s'efforce de construire. Pas grand monde arrivé. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'est installé là-bas. Mais il faudrait que j'envoie du monde pour explorer un petit peu. C'est quoi ça là-bas avec ses yeux?
C'est un zombie. A big chest. Ouh. C'est bon ça. Un grand coffre. C'est des bottes de guerrière. Bah après, faudra demander ça à Nico. Hein. C'est lui qui s'occupe de ces choses-là. Par contre, à l'intérieur, ils ont fait poser plus de tables et plus de chaises. Ça aurait été encore plus cool, ça. Au pire, je poserai une deuxième maison pour manger ici, avec la maison du cuisinier là, la maison de Lucas juste ici. Ça va être des mocassins. Il y a toujours le raton là qui se promène. Ce sera les potes de Xena. J'ai tellement pas connu moi Xena. Je vois à quoi ça ressemble, mais j'ai dû en voir peut-être un ou deux épisodes dans ma vie encore. Eh là là. Je pense qu'étant donné ton amour pour Disney, on sera plus sur du Mulan, non? Ah mais ils ont déjà coupé tout le bois! Oh la violence! Il y a encore plein de trucs à récupérer en dessous, il va falloir construire une nouvelle échelle. Ça ici. Gagné. Ah là là, sacré beau. Il faudrait vraiment qu'on ait de quoi replanter des arbres. Limpo, il faut que tu te dépêches de monter de niveau. On a besoin de toi. Et du coup, comment ils font les gens? Ils ont pas tous un endroit pour dormir, donc c'est pas super cool ça. Chakram. Ah. Qu'a-t-il à m'offrir? Rien d'intéressant à première vue. Alors, va-t-on avoir un nouveau camarade ou pas? Là est toute la question. Ou est-ce qu'ils vont encore nous dire non? Vous n'avez pas assez de nourriture la dernière fois, c'est ça, il me semble. Donc on verra cette fois-ci. Nouveau compagnon, pas nouveau compagnon. Embêtant de devoir attendre si longtemps avant de savoir si on aura un nouveau compagnon dans l'histoire. Et ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir construire cette fontaine. Non, trop sage. D'accord. Ah, attention. Yes. Yes. Baxter. Et là, Baxter va te donner un nouveau nom. Tu seras. Lucas l'a déjà. Bon allez. On va voir ses caractéristiques. Baxter, tu seras BG Lop. BG Summoner. Quoi qu'on n'avait pas de Sulive encore. Sulive était là tout à l'heure, donc on va mettre Sulive. Voilà. Tu es désormais Sulive. Et par contre, nos invaders, ils sont... Oh là là, toujours aussi efficaces, les demoiselles là-haut. Regardez-moi ça comme c'est beau. Yes. Magnifique, mais là, en plus, ils ont de nouvelles armes, si vous regardez bien.
Bien toile sur une efficacité inégalée. J'ai pas les cheveux roux et bouclés. Ouais. Oh. Ouais, c'est ce que je me dis. Juste en face, on essaiera de faire des une autre zone pour manger. Quoi qu'il me semble qu'il y a dans les maisons qu'il y a déjà des tables. Non, pas dans celle-là. Ou au pire, peut-être pouvons-nous opter pour une maison à deux. Ça pourrait passer, ça aussi. On va poser une maison à deux ici. Un Mephisto oublié. Un compromis. Merida avec une... La base a été oubliée. Comment ça? Quelle base? Ah, la base, Mephisto, d'accord. Ok. Mais du temps a-t-il été quand même, hein. Il faudrait que je demande à Mimala de produire quelques enseignes vides supplémentaires. Genre, t'en maintiens 5 de fête, voilà. Comme c'est au moins, on sait qu'on en a en stock. Ça fait quoi si on met de l'acide sur Mephisto? Je sais pas. La base? Et il nous faut du coup quelqu'un qui produit des vêtements. J'hésite. Ah, c'est un petit raccoon qui dort. Petite sieste. C'est un peu long quand même la construction. Ah, c'était bien de ça dont je parlais, Nico, quand t'avais envoyé l'image. Je crois que c'était Nico qui l'avait envoyé. Un compromis, d'accord, ok. Un mélange un peu entre Mulan et... Enfin, Mulan. D'accord. As you wish, miss. Je crois qu'en fait, j'ai plutôt construire deux maisons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une table et une chaise dans ces maisons-là. Parce que là, il y en a déjà une. Non, il y a un bureau. Il y a toujours une échelle ici, en plein milieu de nulle part. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi, ça. Alors, une table. Placer un objet. Dining table. Ça. Voilà, on va leur mettre des chaises haut de gamme par exemple devant. On va mettre ça là. Un autre ici. Ira tout de suite mieux, non? Avec quelques chaises et tables supplémentaires, c'est quand même bien plus joli. C'est bien devenir sa fière aussi. Hein, c'est difficile de faire changer de métier après. Ah, je viens de comprendre quelque chose, peut-être. Le format économique. Ah, mais non, quelle heure?
Il est minuit 5, ça me fait chier, j'ai pas envie. Ce serait peut-être plus raisonnable de me coucher quand même. Ah, les choix, les choix. Et non pas les anchois. N'importe quoi. Là, il y a encore une échelle. Ce serait bien par contre que... Ah si, je crois qu'il vient d'avoir un nouveau truc. Ce qui serait bien du coup, c'est que Nico se fasse une petite déco là. Craft one. Qu'ensuite là. Wooden wall scene. J'ai peut-être pas construit le bon en fait. Me serais-je trompé? Ah si, c'est bon, c'est celui-ci. Wooden wall sign. Bon allez, une dernière. Ce sera la dernière, après dodo.